sur deux colonnes très simplement alors on va faire use bdd comme d'habitude on va faire un sec from nom euh, donc on voit qu'on va se concentrer sur cette première ligne Peter et pan2 d'accord donc je veux changer le nom de de de, bah de de je vais mettre richard ici à la place de pan2 ou nom égale peter d'accord donc je vais faire un update simple que donne euh, bah le SELECT ça a bien mis à jour la colonne prénom. D'accord Mais si je voulais faire un update par juste un script, changer la valeur de prénom et aussi la valeur de mon Peter. Donc je veux changer, je veux mettre à la place de Peter, je veux mettre euh, cœur de lion. Ça, ça fera Richard, cœur de lion. Je sais, j Donc on aurait pu faire deux scripts hein. update nom, set prénom égale Richard, c'est ce qu'on a fait avant, hein, ici. Et on peut mettre aussi bah, cette euh, update nom ici, cette cœur de lion. Voilà nom égal Peter. On aurait pu faire deux scripts. Mais imaginons qu'on veut faire un update sur une colonne qui a euh, plus de 100. une table pardon, qui a plus de 50 colonnes. Ça va être un peu compliqué. Il euh, y a une petite astuce, c'est qu'on peut mettre une virgule, une virgule, pour simplifier le script. Donc on va mettre update non, cette nom égal cœur de lion. Donc ici prénom égal Richard, where non égale Peter. D'accord Donc il faut bien le mettre une petite virgule ici pour mettre à jour les colonnes que, bah, que l'on veut mettre à jour, tout simplement. D'accord Donc je vais faire un update. Que donne le select On voit que bah, Cœur de Lyon et Richard ont bien été mis à jour via juste un script ou une seule ligne. D'accord